David des Pères va nous parler de l'identité hébraïque. Tav Shalom. Mais je ne vais pas m'attarder sur une généalogie ou une biographie quelle qu'elle soit. Ce qui m'intéresse dans l'enseignement de Manitou, ce que j'en ai tiré, c'est un sujet qui me turlupine l'esprit du matin au soir et du soir au matin. J'ai voulu dire l'identité hébraïque. Qu'est-ce à dire que ce mot qui apparaît cette semaine, pratiquement pour la première fois, dans sa dénomination d'être hébreu? La plupart d'entre nous sommes à des années-lumière de pouvoir imaginer de quoi il est question lorsque nous parlons de l'hébreu. Ce que nous connaissons, c'est une identité juive. Avant de commencer la description dont je veux parler, le mot juif en hébreu se dit Yehudi, nous le savons tous. Mais il s'intitule Yehudi parce qu'il était l'habitant ou le résident d'un terroir qui s'appelait la Judée Yehuda. Nous sommes bien d'accord. La question qui se pose est de savoir si Yehuda est Israël ou est-ce qu'il n'est pas Israël. À aucune de ces deux questions, nous pouvons répondre de manière positive. Car Yehuda est bien Israël, mais il n'est pas tout Israël puisqu'il n'en est que le 12e. Je vous remercie. C'est donc que la dénomination, la terminologie du mot juif a quelque chose de particulier. Une des questions que je pose à mes étudiantes et à mes quelques étudiants, et essentiellement dans trois mirlalot et dans un machon, c'est de savoir à quel moment le mot Yehudi apparaît-il pour la première fois. La réponse pratiquement instantanée, Shelman Dehu, c'est-à-dire de n'importe qui d'entre nous, c'est de dire Mordechai Ish Yehudi. Que nenni, mon ami, c'est la deuxième occurrence biblique, mais non point la première. La première apparaît dans un temps où non seulement le temps, mais l'espace est important, puisqu'il est le temps de la fin de la royauté du premier temple. Nous sommes dans une période pré-exilique où le prophète s'appelle Yirmiyahu, Jérémie comme on l'appelle en pathos, Yirmiyahu en hébreu, et ce personnage, eh bien, au moment où nous allons lire ses propos, qu'ils aient été d'ailleurs écrits par lui, ou par Baruch ben Neria, son scribe, ou par quelqu'un d'autre beaucoup plus tard, peu nous importe. L'important, c'est de savoir et de comprendre que le mot juif apparaît, transparaît, dans une période où nous sommes prêts, les valises à la main, à quitter Eretz Israël, forcés, déchus par le pouvoir hégémonique babylonien qui nous a donc provoqué dans cet exil-là, bien entendu conséquent des faits et des gestes que l'histoire biblique nous raconte, car bien entendu, comme Nabuchadnezzar, la veille du 9 Av, l'Éternel, le Midrash Rabba nous dit, l'Éternel lui apparaît, lui dit, Nabuchadnezzar, ne pense pas que demain matin à l'aube, tu vas t'engager pour brûler ma maison, tu ne feras que brûler des pierres qui sont déjà détruites. Ceux qui ont détruit les pierres, ce ne sont pas les Babyloniens. Ceux qui vont les brûler, oui, mais les détruire, c'est nous. En clair, le mot juif apparaît et transparaît au moment où nous partons en exil. Le mot Israël, hébreu, réapparaîtra lors de la deuxième alia, celle de Ezra, Nehemiah, Zrovavel. Mais encore une fois, lorsqu'à la fin de ce deuxième temple, les Romains, d'une manière encore hégémonique, vont terminer avec le pouvoir national des Hébreux en Eretz Israël, le mot juif va réapparaître, parce qu'il n'y a que la Judée. Et le mot juif est en quelque sorte
même pas une quelque sorte, parce que nous l'avons dit, un douzième, c'est-à-dire qu'il est l'identité fractale ou l'identité fractionnelle de la dimension de quelque chose qui a été et qui n'est plus. Et Manitou fait un parallélisme dans cette terminologie entre l'araméen et le juif. Dans un instant, je vous dis comment et pourquoi. Mais le mot juif est un douzième. D'ailleurs, rappelez-vous, mes ancêtres en Espagne mettaient un sac de cendre au sein de la maison pour se rappeler que nous ne pouvions être aussi joyeux que nous le prétendions. Mes ancêtres qui venaient du fin fond de la Pologne ne terminaient point la façade d'un mur ou la peinture d'un mur, parce qu'il fallait se rappeler que même lorsque nous étions propriétaires, nous ne l'étions qu'à, non pas à part entière, mais que partiellement. Et puisque nous connaissons, ce que nous tous connaissons, eh bien c'est sous ce dénuptial, ce garçon à qui on remet un verre, où sous son pied, il doit bien entendu l'écraser, marquant ainsi, non pas le Mazal Tov malheureux de certains, lorsqu'il s'écrie au moment de la brisure et de la fracture, « Nous sommes bien heureux !» Il faudrait quand même que, Baruch HaShem, aujourd'hui, ça s'arrange parce qu'on chante « Imeshkacher Yerushalayim », alors on se rappelle que le verre brisé, ce n'est pas pour dire « Oh, nous sommes bien heureux !» Bien heureux. Et donc là aussi, il y a une manière d'affirmer que même dans ce moment de joie, le plus élaboré qui soit, eh bien, nous sommes conscients de n'être encore que partiel, que fraction. Et nous aspirons à retrouver l'entité hébraïque d'antan, celle qui, comme je vais essayer de vous l'expliquer, est le porte-parole d'un message divin qui veut, à travers Israël, être de portée universelle et non pas universaliste. Je ne veux pas que tout le monde soit comme moi, mais je veux qu'à travers le message que j'émette, chacun dans sa manière d'être puisse être capable, dans la mosaïque humaine représentée par la race humaine, être capable de redonner une image divine sur le visage humain. Lorsque je dis que le juif est fraction et qu'il aspire, l'hébreu, notre chance, je vous rappelle que Arav Léon Ashkenazi Zatzal a été confronté à cette trilogie que sont le peuple, la terre et la Torah dans sa rencontre au milieu des années 60 avec le Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook, fils du Rav Cook, premier grand rabbin d'Eretz Israël, avec toute la théologie philosophique qui est inscrit dans les textes du Rav Kook, raison pour laquelle, en tant qu'élève du Rav Kook, élève de ces maîtres-là, et français, et francophone, de l'école de pensée, et du monde israélien, je suis d'un optimisme sans appel. Et je vais vous donner un exemple, et je veux que vous le reteniez. Mon rôle à moi, c'est d'être pédagogue, d'enseigner, de former des hommes et des femmes à tenir les rênes d'une histoire demain, qui même si elle doit traverser les méandres de sa propre histoire et traverser les drames et les tragédies de son histoire, elle sait envers et contre tous les aléas de cette histoire que nous sommes éternels, parce que l'éternité d'Israël ne se démentira jamais. Quel est l'exemple? Je fus père il y a 30 ans pour la première fois. Je vis mon enfant dans ses premiers mois commencer à mettre un genou à terre et commençait à ramper par terre. Et je me disais, alors à quel âge, maman, il va se mettre debout? Elle me dit, attends mon fils, entre 12 et 18 mois, on va voir cet enfant se mettre debout et essayer de marcher. Alors je vis mon enfant à 12 mois se surélever aux meubles de la maison. Et je le vis se surélever, et je me dis, ça y est, il va marcher.
Qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé. Est-ce qu'il se leva une seule fois? Non point, mon ami. Est-ce qu'il tomba une fois? Non point, mon ami. Est-ce qu'il se releva plusieurs fois? Bien sûr, mon ami. Mais jamais, jamais, le désespoir m'entreprit, me disant, cet enfant, puisqu'il tomba, ne marchera jamais. Cet enfant, non seulement marché, gambadé, sauté, mais il est aujourd'hui un homme accompli, un papa, un maître, un professeur, un rave, Baruch Hashem. Et je lui raconte toujours, quand je te voyais t'accrocher au meuble, je n'eus la pensée de pouvoir imaginer qu'un jour, je te verrai non seulement marcher, mais devenir en plus un nouveau guide. Quel extraordinaire! Alors comment voulez-vous que nous désespérions? Quand je vous ai dit, j'ai soigné le père et le fils Ashkenazi, j'étais infirmier responsable du service d'oncologie et des malades de cancérologie en fin de vie. Mesuré pendant 20 ans avec le malade en fin de vie. Même dans la fin de vie, vous emmenez vos malades avec le sourire à la rencontre de cet autre temps que sera la mort. Mais jamais désespéré. Je suis officier de l'armée israélienne, capitaine du service de réanimation héliporté. Nous en avons vu au Liban et ailleurs de toutes sortes. Jamais nous n'avons désespéré. Mais comme disait Edmond Flegg, que mes maîtres comme André Neher ou Léon Ashkenazi aimaient à citer, nous, virgule, c'est ce qu'il avait dit après la guerre, de l'espérance. C'est notre hymne national. Atikva. En hébreu, on peut dire, non la tikva, mais la tzipia. Et vous savez qu'en hébreu, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est que les tzapot, espérer, c'est la même racine, sadik pe'e, que litzpot. C'est-à-dire que l'éclaireur, et d'ailleurs de par sa nature d'éclaireur, le personnage qui, parce qu'il va partir en éclaireur, au retour de sa mission, venir éclairer l'armée qui est en arrière, ou si vous voulez, plutôt que d'être éclairé, lui assurer une certaine survie au travers de ce qu'il aura vu. Mais ce n'est que dans l'appréciation globale du terrain, globale de l'événement, que l'espoir y peut y être attaché. Jamais dans une vision restreinte, dans une vision minuscule. Le chien de Madame Durand, là où j'avais mon cabinet, 87 boulevard Beaumarchais, alors chaque fois que je le voyais, j'avais peur. Une fois, je suis monté tout en haut de l'immeuble, il était tout petit, il faisait plus peur. Parce que l'appréciation de la vision globale vous donne une objectivité que le regard au ras des pâquerettes vous empêche d'appréhender et vous rend subjectif. Je m'excuse pour mon français. Mais de la même manière que nous parlons en hébreu, en anglais ou en français, si nous parlons de choses qui sont saintes et de choses qui sont nobles, alors vous devez parler avec une certaine noblesse. Je dis à mes élèves, demain matin en rentrant à la Mirlala, « Boker tov nesichot ». Alors la première fois, c'était la semaine dernière, pourquoi ils nous appellent princesse? Rabbi Shimon Bar Yochai écrit, Bnei Israël ke Bnei Melachim, les enfants d'Israël sont des enfants de roi. Ben, si on est, vous et moi, des enfants de roi, je m'appelle prince, vous vous appelez princesse. Mais si vous vous appelez prince ou princesse, noble hébreu, il y a une manière de manger, de boire, de marcher, de s'habiller, de parler, de se présenter, d'être représenté. Alors je leur dis, mesdemoiselles, je vous en prie. Et il faut que nous voyions cela. Et cette royauté, cette noblesse d'être, elle provient dès l'origine. Dès l'origine, nous avons un Adam qui n'est pas un homme. Puisque seul son fils sera, dites-le en hébreu, Ben Adam.
Mais Adam n'est pas Ben Adam puisqu'il n'est pas une création qui s'est développée de manière intra-utérine. Mais Adam a quelque chose puisqu'il est l'origine de l'humanité voulue par l'Éternel. Il y a quelque chose de l'hébreu en lui. Il a fallu se casser la tête pour aller chercher qu'est-ce qu'il y avait d'hébreu dans Adam. Puisque de manière générale, nous parlons de la faute de Adam et de Chava. Je vais vous donner juste une chose, parce qu'on n'a pas toute la nuit devant nous. Adam, c'est l'acrostiche de Abraham, David et Moshe. L'acrostiche, les premières lettres de Abraham, David et Moshe. En français, un acrostiche. Beivrit, Rachetevot. Abraham, David et Moshe, qu'est-ce qui relie intrinsèquement et ontologiquement l'Abraham, David et Moshe? Abraham a dit Ani Afar ve Efer, Ani Ketolad ve Loish, Ani Vanachnu Ba. Le premier a dit je ne suis que poussière et cendre. Le deuxième a dit je suis un ver de terre et rien d'autre. Et le troisième a dit nous que sommes-nous? Quel est le point commun, le plus grand dénominateur commun à ces trois hommes? L'humilité. Alors vous allez me demander, vous pouvez nous donner un cours prochainement sur l'humilité, c'est trop long, c'est trop loin. Alors je vais vous faire quelque chose pour montrer ce que Adam avait voulu exprimer de quelque chose de l'hébreu qui se cachait dans l'homme qu'il tendait à être. Un pas en arrière. Vous savez pourquoi c'est important ce pas en arrière? Lorsqu'on parle que Adam est l'acrostiche d'Abraham, David et Moshe, et donc le symbolisme de l'humilité, et que l'humilité est de faire un pas en arrière, parce que grâce à ce pas en arrière, vous permettez à l'autre homme ou à l'autre Dieu de faire un pas en avant et de créer un dialogue. Ça, c'est déjà une notion hébraïque. Son enfant qui naît, ah, ça c'était ce que Manitou appelait l'équation de la fraternité. Caïn va naître avec Abel. Caïn est le premier-né, même s'il naît à quelques secondes d'intervalle, peu nous importe. Même dans cet intervalle si restreint, ce qui nous importe, c'est l'appréciation dans l'absolu philosophique de ce qu'il représente. Le premier-né, vous le connaissez, je le connais, on en a tous un, c'est celui qui naît en n'ayant point connaissance d'un environnement, de l'environnement qui est autour de lui. Il pense qu'il est le centre du monde, c'est l'être par excellence parce qu'il est l'aîné, le béror, l'égocentrique par excellence. Abel, lorsqu'il apparaît, a conscience de l'existence d'autrui. Qui ? Caïn. Caïn n'a, à son niveau, dans l'horizontalité de son existence, il n'a conscience de la présence d'aucun être comme lui. Mais Abel, lorsqu'il naît, ah oui, la conscience d'existence d'un autre, c'est Caïn. Alors Manitou écrit, enfin, avant qu'il écrive, il dit, des autres en transcrit, le premier égocentrique est celui qui n'a pas conscience de l'être frère. Mais Abel, qui a conscience de Caïn, il a conscience de l'être frère. Et à ce moment-là, celui qui a conscience d'être ce qu'il est doit faire entendre à autrui ce dont il a conscience. L'autre, Caïn, n'ayant pas conscience, ne peut pas parler de ce qu'il ne connaît pas. Mais par contre, voyant l'autre exister, il doit se demander qui est-il. Ce qui veut dire, je vous la fais très courte, bien entendu, Caïn devrait être à l'écoute, alors que Abel devrait être au parloir. Mais ni Abel ne va parler, ni Caïn ne va entendre. Vous allez me dire, c'est un dialogue de non-croix, un dialogue de muet. Car Caïn n'entend pas, mais c'est surtout Abel. Et Manitou disait, Abel, c'est l'être moral. Lama, il est moral. Si vous ne parlez pas l'hébreu, alors vous ne pouvez pas le comprendre. Mais si vous parlez l'hébreu, vous dites, ou ishiyut moussarit. C'est quoi la moralité? La capacité de l'imsor, de transmettre. La première des moralités, c'est de pouvoir transmettre. Et la transmission n'a d'existence et d'essence que si elle est capable d'être transmise à autrui, c'est-à-dire dans la reconnaissance de l'autre. L'autrui sera un sujet développé par un autre monsieur qui s'appelle Emmanuel Levinas et qui n'ira pas dans les chemins de André Néer
et de Léon Ashkenazi, Zatzal. Et dans ce dialogue de muet, eh bien, c'est la violence qui apparaît. Vous allez me dire, quel rapport entre le muet et la violence? Ben, si vous ne parlez pas l'hébreu, vous ne pouvez pas le savoir. Et cette leçon, elle est du Rav Tzvi Yehuda Kohen Kouk Zecher Tzadik Livracha. Muet en hébreu, c'est « il aime ». Violent en hébreu, c'est « alim ». C'est la même racine. C'est parce que l'on perd la capacité à communiquer de l'un à l'autre que la violence se déchaîne. Et si la violence est d'autant déchaînée de nos jours, c'est parce que la communication dont on parle n'est pas une vraie communication, car les gens ne communiquent pas, ils s'envoient des messages au-delà des temps et des espaces. Mais ils ne communiquent pas dans ce panim el panim, quand le panim, c'est le pnim, c'est-à-dire l'intériorité. Quand je l'ai rencontré à la sortie du métro, et que nous avions compris tous les deux qu'elle allait devenir ma femme, je l'ai regardée sans dire un mot, mais dans mes yeux qui étaient si présents de non-dits, il y avait tellement de dires et de déclarations d'amour. Comment est-ce possible de communiquer dans un au-delà virtuel? Maintenant c'est « je t'aime ». Je te aime, la lettre M, il n'y a même plus AI, il n'y a même plus E, comme ils font les Français, Continuellement, vous avez des abréviations de l'existence. Et donc, nous sommes confrontés à Cain v'Hevel. Le mot frère, rappelez-vous que le mot frère en hébreu, c'est ach. Ar apparaît dans la relation avec Caïn et Hevel, mais se perd du fait du fratricide. Et il n'apparaît plus dans l'histoire. Sauf avec qui? Avec Abraham. Mais avant de vous dire ce qui se passe avec Abraham, je vous dirai que Ar, enseignement de Manitou, c'est la racine de Acher, qui elle-même est la racine de Achraï. Qui est l'être responsable dans le monde si celui capable de reconnaître dans l'autre son frère? Entre nous, soit dit, on a du boulot. Parce qu'on est très très loin de la fraternité. Parce que si nous sommes conscients que nous sommes représentés par 12 tribus, ce n'est pas un hasard. Manitou disait, dès l'origine des temps, il est question de Mishva'a Ta'arva, de l'équation de la fraternité. Vous n'aurez pas résolu l'équation de la fraternité, vous n'auriez rien résolu. Je vous donne l'équation. Elle vient d'un monsieur qui s'appelle Rabbi Yehuda Leb, au XVIe siècle, qui s'appelle le Maharal de Prague. À la base, nous avons de part et d'autre Ach ve'Ach, ou ce que Manitou écrit, Bria ve'Bria. Lorsque Bria, la créature, est capable de rencontrer l'autre créature, alors il y a une possibilité à partir à la rencontre de l'Éternel. C'est le triangle du Maharal. Dans Maseret Yoma, il n'y a pas très longtemps, quelques semaines, on nous le rabâche chaque année. Vous croyez que ça rentre dans notre tête? Ça nous passe, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Et pourtant, Dieu sait si l'éternel, Dieu sait bien entendu, Dieu sait mieux qu'un autre s'il a mis tout le sien pour mettre en nous intelligence et réflexion, sensibilité et émotion, pour être capable de capter dans le sismographe de l'être créé les pulsions, les émotions, les tergiversations de ce monde-là. Alors, lorsque la Bria rencontre la Bria, Maseret Yoma nous dit, le jour de Kippour, vous pouvez vous arranger avec moi. C'est l'Éternel qui parle. Vous pouvez vous arranger avec moi. Moi, je pardonne. Mais il y a une chose que je ne peux pas arranger pour vous. C'est entre vous. Mais comme vous avez appris chez mes élèves, comme Rabbi Yehuda Leb, que si vous ne vous rencontrez pas, il est impossible que vous puissiez me rencontrer,
comme on dit chez nous en anglais, halet. C'est impossible. C'est quelque chose de fondamental, mais combien faut-il le répéter? C'est en cela que nous devons travailler. Chez Abraham apparaît la première fois le terme de Ar de nouveau dans sa relation avec qui? Avec Lot. Abraham est né à Ur Kasdim. Vous savez où est Ur Kasdim? Bassora, la frontière irakienne yéménite. Il est né là-bas, d'un père qui s'appelle Terar. Il a pour frères Eran et Nahor, pour arrière-grand-père Éver, mais lui c'est au niveau de la biologie qu'il s'appelle Éver l'hébreu. Celui qui va donner une identité à la biologie, c'est Abraham. Que s'est-il passé à Ur Kasdim? Vous savez ce que ça veut dire, Ur Kasdim? Les feux de la magie. Ur, c'est les feux, la fournaise, les fours. Et Kasdim, c'est la magie. C'est-à-dire que nous étions dans une génération où l'on nous faisait voir des vessies pour des lanternes. C'est la magie de la lumière. Là-bas, il y a eu la fameuse période, celle où Abraham est venu s'affirmer. Vous vous rappelez, son père, c'était déjà un grand professeur de théologie, puisqu'il était vendeur d'idoles. C'est un des premiers professeurs de isme. D'accord ? C'est un des premiers professeurs au monde qu'on apprend qu'il traite d'un isme. Il y aura tous les ismes de l'histoire, mais lui, c'est un premier théologisme. Il vend des idoles. Il s'en va à la cour de Nimrod parce qu'il devait être bien dans les petits papiers de Nimrod. Et son fils a brisé toutes les idoles, etc. Vous connaissez l'histoire. En revenant, le père lui dit, alors il n'y a qu'une... Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ben, tu vois, il y a une idole qui a détruit toutes les idoles. Et le père lui dit, comme s'il avait mis son doigt sous l'œil, et la phrase du Midrash, c'est « Alvaï, chez Osnecha, Ishmeon, chez Picha, Omeret, que tes oreilles entendent ce que ta bouche prononce. » Et cet homme-là, Avram, est appelé Avram l'Hébreu. Le père, pour ce qui va se passer à la suite des déclarations révolutionnaires d'Avram, je vous rappelle que Eran sera tué dans les fournaises de Ur Kasdim. Nahor s'enfuira vers un territoire syro-turc qui s'appelle Haran, et Terah restera avec le fils de Haran, Lot, sa bru, Sarah, et son fils Abraham. Et là, il déclara, nous allons retourner en Canaan. Retourner, dit-il. Il ne dit pas, nous allons aller en Canaan. À vous de chercher pourquoi, on n'a pas le temps. Il dit, nous allons retourner en Canaan. Ils se mettent en chemin, ils quittent Ur Kasdim. Et il se dirige, alors Terah dit à son fils, tu sais, on va aller voir ton frère en Amérique, en Aramie, là où il est. Il s'est installé, on va passer le voir. Alors il passe voir Haran, Nahor. Et là, Nahor, il dit à son père et à son frère, où vous allez? Il dit, on vous retourne en Canaan. Il dit, il n'y a pas besoin. Ici, à Haran, tout va bien. Vous pouvez ouvrir une boucherie cachère, vous pouvez faire des écoles juives, une synagogue, vous pouvez refaire une communauté. Même si Terah avait le sentiment de vouloir recouvrir cette identité première, alors ils vont devenir des Araméens. Et c'est là que Manitou dit, l'Araméen, c'est l'alter ego de ce qui deviendra dans les temps modernes le juif. Et c'est là qu'hier matin, là, à cet même endroit, enfin, dans cet endroit comme partout ailleurs, on entendra l'injonction de l'Éternel venir interpeller son Altesse Sérénissime, Abraham l'Hébreu, pour lui dire « Lech lecha, mi arzecha, mi moulatecha, mi bet avira, et la arret sacher areka ». Imaginez-vous que chez l'âge de 25 ans, je connaissais que dalle, rien, je ne vous fréquentais même pas d'ailleurs. Mais depuis l'âge de 26 ans que j'ai rencontré la Soudan, je suis devenu fou amoureux de mon peuple, de ma terre et de ma Torah. Et il lui dit, Lech Lecha. Alors la question, Abraham lui dit, bon, moi je veux bien y aller. D'accord, il n'est pas contrarié, Abraham. Il dit, je veux bien y aller, mais il faudrait quand même avoir un tout petit peu de bon sens. Tu me dis où? Parce que quand tu me dis vers la terre, je t'indiquerai, moi la vérité, il y a beaucoup de terre là.
l'Erlecha. Et le Rabbi Misochatchov avait un pirouche extraordinaire. Je vous demande de l'acquérir. Il lui dit, l'Erlecha, ce n'est pas va pour toi, c'est va vers toi. D'autant plus tu seras capable d'aller vers toi, vers l'hébreu qui se cache dans l'araméen ou le juif que tu es, et plus la terre se dévoilera à toi-même. Plus tu seras loin de toi-même, plus la terre sera loin de toi et moins découverte et la voilée cachée. Et quand vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « Oh, vous savez, moi, Israël, les vacances, pauvre bougre, ce n'est pas la terre qui est loin de toi, c'est toi qui es loin de toi-même. » Alors je dis, pauvre bouc, car comment vivre? Et Rachi, tellement gentil Rachi, il vient nous aider dans le Pérouche depuis son terroir de Champagne au XIe siècle. Il écrit, Léanatra ou Létovatra? Tu sais, petit bonhomme, si tu te mets en chemin vers toi-même, de découvrir la terre, à toi l'homme qui est masculin, de découvrir la terre qui sera féminine, ce n'est pas simplement une conjugaison nouvelle entre l'homme masculin et la terre féminine, mais c'est une nouvelle conjugalité de l'histoire. Et Rachid dit, Léanatra ou Létovatra, pour ton plaisir et pour ton bien-être, car qui peut dire lorsqu'il est loin de l'être qu'il aurait dû être, qu'il est bien heureux. Je vous souhaite jamais d'assister à la maladie, à la décrépitude de l'être humain. Mais quand vous êtes en même temps marzé, maître de conférence, et en même temps soignant, vous rencontrez les malheurs de l'homme dans sa maladie, qu'elle soit dans le corps ou qu'elle soit dans l'esprit. Et là, le texte nous dit, il faut te mettre en marche. Quoi ? Plus tu iras à la rencontre de l'hébreu qui se cache dans le juif que tu es, et plus la terre se dévoilera à toi. Une fois, il lui dit, non, même cette semaine qui vient, on va encore le répéter. Comme disait ma grand-mère en anglais, Raoud al-Pasouk. Il va lui dire, lech lecha, vers la montagne de Moria. Encore une fois, lech lecha. Eh oui, c'est un processus inexorable qui nous emmène. Et si lui, Abraham, et cet hébreu, alors vous auriez dû me demander déjà, mais enfin c'est qui cet être porteur du message universel qui s'appelle l'hébreu? Comment traduisez-vous l'hébreu, monsieur? Comment on dit hébreu en hébreu? Ivri, Nahon, pas sur scène, Ivri. L'Avdil Belkodesh Kérol. Ivri, Ivri est un terme qui peut se... s'entendre de trois occurrences, avar, over ou bar. Je répète à cause de l'instrument moderne. Avar, over ou bar. Ce qui veut dire que si un terme a plusieurs occurrences ou il est un terme polysémique, les définitions qui le composent me permettent d'apprécier l'essentialité de ce terme. Hébreu. Donc l'hébreu est avare, celui qui a tiré les leçons de son passé. Over, c'est parce qu'il a tiré les leçons de son passé qu'il est capable de traverser les relents de l'histoire vers des lendemains plus enchanteurs. Mais lorsqu'il traverse, après avoir tiré les leçons, il devient oubar, c'est-à-dire un fœtus. C'est cet être qui, perdu dans les méandres d'une histoire dramatique, est capable de renaître de ses cendres, non pas comme un phénix, mais comme un hébreu, toujours tirant les leçons de son passé et prêt à mieux traverser pour mieux renaître à la face du monde. Qu'est-ce qu'ils ont eu peur au Vatican le 14 mai 48? Monsieur Ben-Gourion déclarait dans ce Erev Shabbat que l'État d'Israël renaissait de ses cendres, que la langue n'était pas morte, que nous n'étions pas l'Ancien Testament ni le Nouveau Testament, mais le Testament de l'Éternel, qu'il n'était pas le Verus Israël, c'est-à-dire la vérité d'Israël, ses crapules, et que nous redevenions les enfants d'Israël. Mais Israël, ce n'est pas encore l'hébreu. Israël, c'est le vecteur, l'élément médian par lequel nous allons transcender demain la dimension juive fractale vers le nombre entier auquel nous aspirons. L'hébreu, les tovatrins, les anatrins, pour ton bonheur, pour ton bien-être.
C'est de cette manière-là dont il sera question. Il y a énormément de quoi dire à ce sujet, bien entendu, de l'hébreu, car tout se continue avec Yitzhak, avec Yaakov. Yitzhak sera le din, Yaakov sera Emet. Il y a une question, comment ça se fait que la nation des Hébreux ne naît pas de Yaakov? Parce qu'Abraham était chesed amour. Il n'était qu'amour. Yitzhak était din. On ne peut pas vivre dans un monde où on est trop bon, sinon. Et on ne peut pas vivre dans un monde où on est trop rigoureux. Il fallait quelqu'un capable de transcender cela et de faire du chesed d'amour une symbiose avec la rigueur. Celui qui était capable, c'est celui qui allait porter le nom d'Israël, permettant à la dimension hébraïque universelle de se faire valoir. Emet, c'est Aleph Tav, c'est d'une extrême à l'autre, comme l'amour et la justice. Et le même au milieu, eh bien, le Sofer écrit ça, Chavav, c'est 26. Mais comme la lettre même vaut 40, on se demande où sont passés les 14. 14, c'est la main, les 14 phalanges de l'homme. Car c'est à l'homme, par sa main, de faire descendre cet esprit, cette shrina, au sein de ses extrêmes pour leur donner une réalité, une obédience de pérennité dans ce monde-là. Israël est porteur d'un message. Notre maître et notre ami et notre camarade de combat, Zichrono Livracha, Avraham Livni, professeur, protestant, converti au judaïsme, élève du Rav Tzvi Yehuda Kohen Kuk. Vous n'avez pas lu son livre, mais achetez-le, lisez-le, avalez-le, dévorez-le. Il s'appelle « Le retour d'Israël, l'espérance du monde », sans aucun doute, sans aucun doute. Je vois sur les pages d'Internet, j'écris, je publie, je confère, j'enseigne, je passe mon temps à parler. Et je vois des gens qui passent leur temps à vouloir se battre contre l'obscurité. Les goïms, ils sont pas gentils, les arabes, ils ont dit ça. Dès que quelqu'un vient nous dire combien les arabes sont pas gentils, les goïms pas gentils, on va vite l'écouter parce qu'il nous rassure. Mais c'est pas comme cela qu'on construit une identité hébraïque. Rabbi Israël Baal Shem Tov avait dit face à l'obscurité, tes petits points ne serviront à rien. Par contre, une petite allumette incandescente, ça permettrait énormément de nouvelles lueurs. Au lieu de passer ton temps à te battre contre, essaye de construire pour. Mais pour cela, il faut être l'éclaireur qui, par sa vision globale de l'événement humain, est capable d'être optimiste. Shaoul a échoué. Lorsqu'il fut nommé oint par Shmuel dans sa guerre contre Amalek, il revient. Shmuel lui dit, « Alors, votre majesté, qu'entends-je au loin? N'est-ce pas le bruit d'un bétail ?» Et Shaoul de lui répondre, « Oui, votre prophétie, prêtrise, etc. Nous avons ramené le bétail pour l'offrir en offrande à l'Éternel et le remercier de la victoire qu'il nous fit acquérir. » Malheureux, lui dit Shmuel en tombant sur les genoux et lui déchirant sa robe royale, je vous déchois, votre majesté. Mais sachez une chose, j'étais interviewé sur une chaîne de télévision étrangère, on m'avait posé la question, monsieur le professeur Akrish, pensez-vous que votre premier ministre, Benjamin Netanyahou, est en train de marcher dans les chaussons de Ariel Sharon? Alors, je n'ai pas répondu à cette question, mais j'ai raconté l'histoire de Shmuel et de Shaoul. Shaoul a été élu démocratiquement. Il avait un programme commun politique. Shmuel lui a expliqué comment il fallait résoudre ce programme politique. Il ne l'a pas résolu. Il n'a pas été capable non seulement de le mettre en place, mais de lui donner sa portée telle que le peuple l'attendait. Alors, Shmuel est tombé à genoux. Il y a déchiré sa robe. Et Shmuel lui a dit quelque chose. Vous savez, votre majesté, viendront dans l'histoire d'autres hommes qui, comme vous, auront des programmes politiques et ne les réaliseront pas, par faiblesse quelquefois, par honte d'autres fois, par haine de soi d'autres fois. Mais je vais vous dire quelque chose, votre majesté. Et avec ça, j'ai terminé l'interview. Même la Goya était contente puisqu'elle fait comme ça après. Je lui ai dit, Shmuel dit à Shaoul, « Netzar Israël, lo yeshaker
Velo Yedachem, l'éternité d'Israël ne se démentira pas, car l'éternité d'Israël est un train qui roule inexorablement vers sa destinée. Certains y montent, certains en descendent, certains sautent en marche, certains ne veulent pas monter, mais rien au monde n'empêchera à la dimension de l'hébreu de se révéler et de faire valoir le message universel de l'Éternel, où il sera un et son nom sera reconnu comme un. C'est de cette unité dont nous parlons, mais elle commence par notre fraternité, par notre arva, pour que l'Éternel puisse y reconnaître le contenant de ce contenu qu'il attend à tout instant de verser. Vous savez, tous nos élèves nous demandent d'arriver, vient quand le Mashiach. Ils disent, je suis quoi, pourquoi je suis dans les petits papiers de l'Éternel? La seule chose que j'ai appris chez le Maharal de Prague, par exemple, c'est que le Mashiach, il est sur les portes de Rome, blessé, ruisselant de pu et de sang, faisant et refaisant ses pansements. Vous savez qu'est-ce qu'il attend? Ben nous. Puisque la personne qui est aimable, qui m'a servi un verre d'eau, a dû prendre le verre avant d'y mettre l'eau. Ça paraît incroyable quand on y pense. Mais la personne qui m'a servi ce verre d'eau avait compris que tant qu'il n'y aurait pas le contenant, elle ne pourrait pas verser le contenu. C'est tout ce qu'il attend. Shalom.